d'une étape marathon, la 17e étape entre Saint-Gaudens et Saint-Lary-Soulan-Pladadé risque d'être explosive. Les 50 premiers kilomètres ne présentent pas de relief particulier. Mais le final proposé par les organisateurs n'offre aucun repos entre les différentes ascensions avant de rejoindre le Pladadé. Un col escaladé une première fois par les coureurs du Tour il y a 40 ans. Ce jour-là, un certain Raymond Poulidor remportait sa dernière étape en mettant en difficulté Eddy Merckx. Il y a en effet beaucoup de nervosité ce matin sur la ligne de départ. Les enjeux de l'étape sont importants pour tous les coureurs. Certains craignent la mise hors course s'ils arrivent hors délai. Les meilleurs grimpeurs, quant à eux, doivent profiter de cette avant-dernière étape de montagne pour tenter de ramener un bouquet, créer des écarts, voire se rapprocher du podium final. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici c'est Nico Sauvé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étape de ce Tour de France 2014. Voilà, vous venez de voir, j'ai fait partir Arnaud démarre parce que à 28 km il y a un sprint intermédiaire. Oui, on est maillot vert, mais je veux conforter ce maillot. Pour pouvoir l'emmener à Paris. Voilà, c'est notre objectif, principal objectif. Voilà, donc c'est fait. On a essayé de prendre un peu d'avance sur ce peloton en espérant qu'il ne roule pas. Oula, par contre, si je fais rouler mes cocos, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est bon, ils se sont détendus. Voilà, ça arrive, ça revient. Alors, ce qui est du classement général, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour, le classement. Voici le classement. Il a bien changé, oui, c'est vrai, depuis hier. Vous avez pas eu l'occasion de regarder après Christopher Horner, après les 10 premiers, donc je vous le montre. Premier, Alejandro Valverde. Deuxième, Betancourt à 2-7. Rodriguez, Froome, Quintana, Mollema, Contador, Nibali, Pinot à 18 minutes 54. Mais regardez, le dixième est à 25 minutes. C'est Christopher Horner, puis après 25 minutes, 26, 26, 30. Voilà, à partir du dixième, ils sont plus de 25 minutes. Donc je pense qu'on a une grosse option sur ce classement. Donc 9e de ce classement. Donc c'est franc. Beaucoup d'écarts, gros écarts même. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait que je vous montre. On va revenir sur Arnaud Démare devant. Voilà. C'est soit il se détend ou soit ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi il roule comme un taré. Mais crois pas, je roule comme un gros fou moi. L'écart est maintenant de plus d'une minute. Certains directeurs sportifs voilà. Ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Alors, au vu de la montée en rythme du peloton. Derrière. Bonnet, tu arrêtes. Roi. Tu arrêtes. Même si j'aimerais bien voulu mettre Jérémy Roy dans l'échappée. Ça aurait pu être intéressant. D'ailleurs, on va le faire tout de suite même. Il est sorti du peloton comme une balle. Voilà. Hop. Hop. On va tenter, hein. Qui tente rien à rien, j'ai envie de vous dire. Voilà. Arnaud Janson qui est en train de remonter tout doucement. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ça roule fort, hein, évidemment. Ici, et ben, je crois que j'ai emmené Jérémy Roy à la mort. On va essayer de faire quelque chose. 15 km, hein, faut pas se tromper. Donc Jérémy Roy, voilà, il roule, il va essayer de les rattraper comme il peut. Voilà. Ça a l'air. Il a l'air de réussir à venir les rattraper. Ça pourrait être bien quand même de coureurs à l'avant. Ça pourrait être intéressant. Même très très intéressant. Si on réussit à les remonter, ça pourrait être cool. Voilà, l'embouchure va être faite dans quelques secondes, je pense.
Ça y est, c'est fait. Donc on va se détendre un peu, il va se détendre, voilà. Arnaud démarre, il est là-bas. Bon, alors on regarde tous ceux qui sont là pour le sprint. Personne, c'est parfait tout ça, derrière personne roule. Comme quoi tout le monde va mal. Arnaud Jason, tu te calmes et tu vas protéger Pino. Voilà, devant on a évidemment deux coureurs. Deux coureurs très intéressants. Voilà, Jérémy Roy et Arnaud Demar. Voilà, donc je vous lis. Hein, je tente de mettre... C'est qui roule devant? Derrière, je veux dire. Ah, d'accord, ok. Mais de toute façon, Arnaud Demar va le faire... Ok, donc Jérémy Roy, hein, t'as pas fini ton travail. Voilà. Normalement, c'est bon. Arnaud démarre. Je vais faire un truc en continu. Sprint. Voilà. Te calme. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Derrière, Ghost, Gripail. C'est bon. Personne de dangereux. 317 points. C'est bon. Ça c'est la nouvelle. La bonne nouvelle même. Donc toi c'est bon, tu te détends. Voilà. Arnaud démarre, c'est pareil, tu te détends. Et normalement, ça va le faire tout le long. Ok, bon. Bah c'est bien, c'est même très bien, j'ai envie de vous dire. C'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle pour nos coureurs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais regarder pour Cancellara au niveau de la montagne. Ah ouais, il est deuxième, il veut se prendre des points parce que Valverde est dangereux, évidemment, il a 89 points. Donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. Voilà, au niveau du sprint, évidemment, on a du coup, on a 317 points. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On se met un peu à l'abri, j'ai envie de vous dire. On se met un peu à l'abri. Ah, et puis voilà, voilà. Donc Arnaud démarre qui n'ira sans doute pas jusqu'à l'arrivée. Mais bon, pourquoi pas avoir Jérémy Roy, ça pourrait être intéressant. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. Ça pourrait être même très intéressant. Voilà. Jeanson protège. Protège Pino, Jeanson, même s'il va pas bien. J'aurais même préféré que ce soit peut-être Vichot ou Vichot, il a plus sain. J'aurais préféré que ce soit Vichot qui protège Pino parce que je le sens pas bien, le Jeanson. Voilà, je préfère. Pour moi, je préfère que ce soit Vichot parce que Jeanson, il est très bien, sauf que là, il est pas en forme. Hein. Donc, je préfère que ce soit lui qui me protège. Voilà, je vous ai tout dit. Ici c'est Arnaud Demar qui va aller prendre les bidons. Voilà. On est une bonne chier dans ce... ils sont tous bons à la montagne. Donc voilà. Nous on est avec Jérémy Roy qui est plutôt bien. Hein. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Faudrait qu'il récupère un peu. Faudrait qu'il récupère un peu Jérémy Roy. On va le faire en mode stationnement. Voilà. On va le mettre en stationnement.
là, comme ça tout le monde roule pour lui, Arnaud Démare roule aussi, donc ils pourront rien dire. Deux coureurs à l'avant, c'est plutôt bonne nouvelle, certes c'est pas les meilleurs, Arnaud Démare va sûrement se laisser décramponner, ça y a pratiquement, j'irai aucun doute là-dessus. Va chercher les bidons. Premier col de deuxième catégorie. On va voir sans doute les premiers lâchés. Hein, si, je vais voir si Arnaud résiste. Arnaud Démare résiste, mais ça m'étonnerait. Je n'ai pas envie de le défoncer tout de suite. Alors, s'il résiste pas, il résiste pas. Et c'est pas grave. Voilà, il résiste pas. Donc, no suicide pour toi, mon garçon. Tu vas à ton rythme. Et puis voilà. L'important, c'était les points pour le truc là. Jérémy Roy va bien, il va même plutôt bien. Il va même plutôt bien. Là, il y a de la phrase. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Sûrement que... C'est qui? Il s'est laissé décramponner quand c'est Lara. Ok, lui va amener les bidons. Voilà. Prends notre temps de ce côté-là, là il n'y a aucun doute là-dessus. Du monde, beaucoup de monde dans cette côte. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Mais ça va, hein. je gère avec Jérémy Roy, le but c'est d'arriver au bout. Enfin, du moins, je l'espère. Je sais pas s'il résiste pas, il résiste pas, mais... Le peloton devrait maintenant réagir. Ça peut être intéressant. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Faut pas qu'ils se laissent décramponner, par contre. Hein. Faut pas qu'ils se laissent décramponner. Voilà. Donc il roule à son allure et... Et voilà, hein, moi ça me dérange pas que Cancellara se prend les points. Même si Santoro, Mito, machin, je sais pas quoi, veut prendre les points. Ah, même pas, il n'a pas la force Cancellara d'attaquer, ça c'est la nouvelle. Les coureurs se lancent dans la descente, ce n'est pas le moment de se relever. Ça, c'est la nouvelle. Hop. J'attends que quand certains même voilà, sont c'est en fait. Train de se faire décrocher. On est à mi-parcours, les équipiers s'apprêtent à céder petit à petit leur place au leader. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit tour derrière, on va laisser tranquille. Bon bah ça a l'air d'aller hein. Pino est là dans les pieds de Vichot qui a l'air bien, voilà, il a plus un, donc c'est cool, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Jérémy Roy s'est refait une petite santé, ça fait plaisir. Voilà, avant d'entamer cette deuxième difficulté du jour. On va le mettre à 65, voilà. Il va bien, donc on en profite. Hein. Deuxième difficulté, il reste que 54 km, une étape plutôt courte, hein, je trouve. Plutôt courte, je trouve. Donc je pense que ça va monter, qu'il va pouvoir suivre, hein, normalement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Une échappée est en train de se créer! Ah, ça c'est la nouvelle. Tac. Vauclair a attaqué. Je me demande en fait que si je peux faire quelque chose. Je tenterai dans l'avant-dernière. L'avant-dernière montée, quelque chose avec Thibaut Pinot pour essayer de reprendre du temps.
ça pourrait être intéressant. Du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Du coup, ça roule ou pas? L'important, c'est de savoir si les autres roulent. Personne roule, donc c'est nickel. Arnaud démarre et là, il va se faire décrocher sans doute. Tac, qu'est-ce qu'on va faire, Jeanson? Oui, il va récupérer des bidons parce que les autres ne peuvent pas. J'ai un miroir, voilà. Donc ça va, c'est honnête. Donc nous, on monte à notre allure. Hein. Jérémy Roy a l'air d'aller plutôt bien. Voilà. Voilà. Hop, il monte. Bon, enfin, je suis pas sûr qu'il arrivera au bout. Hein, parce qu'il a l'air un peu cuit quand même, le bougre. Hein. Tout de même. Ah, d'ailleurs, on est lâché. C'est la nouvelle. Ok, on est lâché. J'aimerais bien qu'il les rattrape dans la descente. Voilà. J'aimerais bien qu'il se refasse une petite santé. Qui va se faire lâcher, il va se refaire lâcher. Il tente de résister, je le vois, et il peut pas. Hein. Pas certains coureurs qui tentent de s'échapper maintenant. Oh là là. Allez mon garçon. À contre-attaque du Colombien Bettencourt. Allez mon garçon. Décroché, un leader vient de se faire décrocher. Il est dans le dur. Nouvelle tentative en tête de peloton. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Allez. Allez, rattraper. Ce n'est pas le moment de chuter. J'aimerais bien qu'il les rattrape. Allez, fais l'effort. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Nouvelle attaque en groupe de tête. Ça, putain, ça fout le démon. Ça fout le démon. Pino est là. J'aimerais bien qu'il les rattrape, quoi. Allez, mon garçon. Encore 10 km à parcourir. Putain, il est cuit. Il est cuit. Ah, ça sert à rien. C'est énervant. C'est frustrant même. C'est frustrant. Allez. Je sais pas combien on va finir, mais on va douiller. Hein. J'annonce. On va douiller. Heureusement qu'on a pris un peu d'avance tout à l'heure. Voilà, on a fini. On a douillé. C'est comme ça, on n'y peut rien. On va bien voir à l'arrivée qu'est-ce que ça va donner à ce final qui n'était pas pour nous. Hein. En plus, ça va attaquer. Je sais pas pourquoi. Tout le monde attaque, c'est la folie. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Faudrait pas qu'il abandonne. Arnaud démarre hein, quand même.
Voilà, il est passé, c'est l'important. Par contre, Cavendish, il est où? Je l'ai pas vu, lui. Je ne l'ai pas vu. Voici maintenant les meilleurs moments de la course. C'est Quintana qui gagne. Allez, on va voir les podiums. Ouais, ok. Ah, c'est Betancourt derrière. C'est Betancourt. Bon, Quintana gagne. Bravo à lui. Finalement, je crois qu'on n'aura jamais notre victoire d'étape, hein, nous. Alejandro Valverde est là. Toujours 9e à 21 minutes maintenant. On a douillé, hein. 21 minutes. On va même essayer avec Thibaut Pinot, pourquoi pas, de se mettre dans l'échappée. Ça pourrait être intéressant. On n'a plus rien à perdre, hein, 21 minutes. Ok, 317 points. On se met à l'abri un peu. Parce que je vous avoue que là, c'est un peu chaud patate. On n'a même pas 20 points d'écart. Hein. J'aimerais bien avoir plus de 20 points d'écart sur Cavendish. Valverde là, 105 points. Oui, bon, voilà. Betancourt, Pinot, toujours 3e à 19 minutes. Et ici, AG2R, la mondiale. Ok. Bon. Faut que je réfléchisse. C'est chaud. Il y a 21 minutes de retard. Je pense qu'on peut quand même essayer de se mettre dans une échappée maintenant. Mais je suis pas sûr, hein, parce que je sais pas comment ça se fait. Ici, ouais. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas essayer quelque chose. Bon, en tout cas, nous, on va essayer de remettre, évidemment, Arnaud Démare pour le sprint, parce qu'il est juste avant les grosses montagnes, donc ça va. Et puis, voilà, la forme, Pinot va bien. Demain, dernière étape de montagne. Arnaud Jansson a fait beaucoup d'efforts. Arnaud Démare a fait énormément d'efforts. Donc demain, il faudra encore résister. Les autres sont pas du tout en forme. C'est la folie. C'est la folie. Ok. Bon. Bah, l'important, c'est qu'on est premier. On est toujours avec Arnaud Démare. On est premier au sprint. Mais ça va être difficile. Bon, les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nikosov. À demain pour une nouvelle étape.